Le soleil se couche sur Souffelweyersheim à l'heure de la fête des voisins. Comme 10 millions de Français, ici on trinque dans la rue. Et rue de Bar, Michel et René offrent l'apéro pour fêter leurs 50 ans de mariage. Et voilà, nickel. Dans son panier, André ramène le repas du soir. Il vit dans cette rue depuis 36 ans. La fête des voisins, ça consolide. On a le geste amical et sociétal pour se retrouver autrement. Rue Loriot, Hussein a préparé un plat iranien, une polokala. Spécial iranien, c'est riz viande, c'est kalam, c'est oignon. Il y a aussi les knacks de Freddy, fête maison. Ici, on fait la fête des voisins depuis 10 ans. Un rendez-vous qui a changé les rapports. Au début, on avait l'impression d'être une cité dortoir. Et finalement, les gens ont appris à se connaître et à s'entraider. Et il y a eu une convivialité qui n'existait pas avant. Rue de la Mésange, les anciens sont déjà attablés. Thierry et Alain gèrent le barbecue. David vient d'emménager dans le village. Une première rencontre avec ses nouveaux voisins. Du coup, ça a créé le contact, oui. Je vois que la rue est bien animée, il y a beaucoup de gens bien sympathiques, on est vraiment content de venir. Quatrième point de chute, rue de la mairie. Ici, les voisins se réunissent depuis 16 ans. Pas dans la rue, mais dans la cour des Reuters. Patrick et Rémi ont eu cette idée en 2002. On avait commencé parce que derrière, dans la rue, dans l'impasse, il y avait plein de monde qu'on ne connaissait plus, qu'on ne se voyait plus, on passait tout simplement, on disait bonjour. Et après la fête des voisins, on se dit maintenant tout simplement salut. La dernière visite nous amène rue du Faisan. Robert a réuni beaucoup de monde. Ça se passe très 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 bien. Je suis très content d'avoir autant de monde autour de moi, d'avoir autant de voisins qui participent à cette fête. La nuit tombée, c'est l'heure du thé que l'on partage avec Saïmé. Ça se passe comme ça, la fête des voisins à Souffel. Santé. La fête des voisins, c'est top. La fête des voisins, c'est génial. C'est rigolo.